Le 91 Illusion de la Garde est le seul fils de Vision d'État, le seul produit tout court d'ailleurs de Vision d'État au catalogue. Intéressant. Vision d'État, bien sûr, c'est le père de la craque, de Bon Cœur, et Vision d'État qui s'est éteint et qui a cette, dans la dernière génération, est Yearling. Donc voici un représentant de l'avant-dernière génération de Vision d'État, qui avait débuté sa carrière d'étalon au Rhin de Grand Camp, qui l'a poursuivi une année à Trébant et qui est arrivé ensuite au Rhin de Cercy. Bon, la mère, on la connaît bien, hein, 5 victoires, gagnant du Grand Prix des Coulis Châtarbes et gagnant aussi du Critérium d'Auvergne à Vichy, déjà mère de Derby et surtout Farnèse de la Garde, gagnant à Pau du prix Amaury-Cazeneuve cette année. Et puis c'est la famille de Perle Claire du Lac, Hubert Desplace. Hubert Desplace, un fils de l'étonnant Cutube, qui vit sous la montre au Rhin du Ténèque, qui est un étonnant qui n'a pas du tout marqué, mais par contre qui a fait ce bon Hubert Desplace, qui est le nom du grand steeplechase de Toulouse. Il n'est pas une course à l'endroit de l'Orabe, mais de la mer. Vision d'État, la mer par Géberon Pontadour. Vous lui jetez le 6 mai. Il nous est présenté par l'écurie Coudert. Alors, la Garde, bien sûr, c'est le label de Philippe et Paul Coudert, qui élèvent les deux frères, qui élèvent la chaire de la Garde, tout simplement, à 5 minutes d'Aurillac, dans les montagnes. Le 91 Illusion de la Garde, le seul Vision d'État du catalogue, la seule Vision d'État du catalogue. Et la mère est la classique Reine Lontex.